22 septembre 2020, Madame, Monsieur, bienvenue à ce rendez-vous d'actualité de province. Un détenu trouvé mort de faim à la prison centrale de Mouenéditou dans la province de la Lomami, poursuivi pour vol simple en Kounambéa, avait déjà purgé 2 ans. La question de rupture de stock de nourriture dans les maisons carcérales est récurrente, même en province, à Mouenéditou justement. Les détenus vivent grâce aux rares provisions envoyées par les églises, comme nous le dit notre correspondant sur place, Sylvain Fils. C'est sous cette ambiance d'adoration que les détenus de la prison de Mouenéditou ont accueilli le fidèle du centre de puissance évangélique et prophétique, école charismatique, une église de la place, qui leur a apporté de vivre ce dimanche 20 septembre. Devant ses pensionnaires, l'apôtre prophète José Bonner n'a pas hésité d'évangéliser de prime abord. Vous n'êtes pas des mauvais, mais c'est le diable. Des fois, tu es innocent. Tu t'es trouvé qu'on t'a condamné. Pose même des questions. Quoi, ceci m'arrive? Amen. Amen, les amis. Amen. Ne pleurez pas. Je sais bien que le Dieu de Jésus-Christ de Nazareth qui a accepté vient de vous visiter aujourd'hui. Il y a de ceux-là que Dieu va toucher les cœurs, on va les libérer. Amen. Lorsque tu sors, change le comportement. Cette visite intervient au moment où les détenus pleurer l'un d'entre eux, décédé le même dimanche, subitement, et pourtant arrêté juste pour un vol simple, comme les témoignent ici. Gilles César Mopong-Mouit, directeur de la prison, qui a remercié les bienfaiteurs. Nous traversons une crise terrible à la prison. Ça fait déjà 10 mois que le gouvernement central ne ravitaille pas ce sujet. Je suis très content de la visite de l'église charismatique. Il y a même un cas de cadavre là-bas à cause de la famine. Nkunabeya. Était-il malade? C'est une mort subite de la famine, je vous dis la famine. J'étais en contact avec le ministre de la Justice. Je lui ai dit ici c'est du chaos. Peut-être je risque de perdre tout le monde. Sa réponse était comment? Ok, c'est négatif. Négatif. Et lui-même ne connaît même pas quand nous serons ravitaillés. Ce n'est ni la première fois ni la dernière fois que l'école charismatique visite les détenus. À laisser entendre apôtre prophète José Bonner au sortir de la prison. Il a dit, quand j'étais malade, est-ce que tu m'avais visité à l'hôpital? Quand j'étais en prison, est-ce que tu m'avais consolé? Quand je viens de visiter les amis, les frères et sœurs qui sont en prison, j'ai des larmes aux yeux. Nous sommes en train de travailler pour Dieu. Signalons que malgré cette visite, la prison de Mouenéditou risque d'enregistrer un nombre considérable de morts dû à la rupture des stocks en nourriture qui s'observe il y a de cela plus de 8 mois.